Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Tu te pousses. S'il vous plaît. Messieurs, dames, les ministres, mesdemoiselles, les députés, je déclare ouvert la séance de questions au gouvernement. Monsieur Massot, député de la Creuse. Monsieur le Président, voici ma question. Elle s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir qu'est devenu ma gomme qui était posée sur mon pupitre hier soir à la fin de la séance et qui a disparu. Trouve que comme par hasard, mon pupitre est proche du vôtre. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chers collègues, s'il vous plaît. Chers collègues, s'il vous plaît. Bien. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le président. Monsieur Massot, vous avez beau jeu de me faire porter le fardeau de la disparition de votre gomme. Laissez-moi terminer, monsieur Massot. Laissez-moi terminer. Je disais donc, vous avez beau jeu de me faire porter le fardeau de la disparition de votre gomme. Quand vous n'hésitez pas à prendre sur mon bureau des trombones sans me le demander. Oh, monsieur Massot, pour attacher les feuilles entre elles, mais pour les tordre et les jeter à votre adversaire pendant les débats. S'il vous plaît, chers collègues, monsieur le ministre de l'Intérieur, regagnez votre place, s'il vous plaît. Monsieur le ministre c'est de l'Intérieur. C'est une sandale. Bon, moi, je m'en vais. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, chers collègues. Ça va, j'avais la voix assez grave, là? Ouais. Yeah. Non. Non, c'est moi qui le fais! Bien! À présent, une question de madame Bougnard de Jouy-en-Jaujas. Bien. La parole est à madame la députée de la Sarthe. C'est où la Sarthe? C'est dans tes fesses. Oh non, 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 ça j'aime pas ça. Les blagues sur les fesses, j'aime pas du tout. Hein. Les blagues sur l'anus, oui, mais pas sur les fesses. Alors, c'est où la Sarthe? C'est dans ton anus. Bien, ça me fait rire ça. Bien, madame la députée. C'est moi de son vélo. S'il vous plaît. Marche pas. Monsieur Chamblay, regagnez votre place. Merci. Bien, je vous écoute, madame le député. Ma question s'adresse au Premier ministre. Madame la Premier ministre, qu'avez-vous à répondre aux récentes accusations de la presse qui affirme que vous mangez vos excréments nasales de nez? Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, la parole, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la parole est à madame le Premier ministre. Madame la députée de la Sarthe. S'il vous plaît, madame la Premier ministre, madame m'accuser de manger des goupilles devant tout le monde alors qu'on avait dit qu'on n'irait rien de personnel, mais merde. Oh là là. Je m'en souviendrai. Alors, franchement, Élise, Non, mais me laissez pas toute seule. Qu'est-ce que je fais comme chute? Une chute américaine. Allez. Non, Élise, on peut pas faire une chute américaine, on est en France. Une chute américaine française. D'accord. Ouh.